bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, un format un peu spécial puisque nous faisons une expédition dans les Alpes. On est au lac d'Alos et donc on va dormir au lac. C'est une première chez moi, chez Pamela Cobson. Enjoy. Alors comme vous pouvez le voir, on est très chargé. Donc moi j'ai mon sac Fallraven, j'ai la tente dans le dos et devant je vais vous montrer. Chacun a son sac de couchage et les garçons ils montent une malle dans laquelle il y a tout le nécessaire. That's so good. Bien arrivé, mais on se pèle, voilà voilà. Il est 18h et en fait le problème c'est que on peut pas installer le campement avant 19h sur les règles dans le parc du Mercantour. Donc on attend patiemment 19h, mais en attendant on se pèle parce qu'une fois qu'on aura installé les tentes ce sera mieux parce que du coup on pourra se mettre à l'abri. Mais là il y a un petit vent frais et on se pèle, voilà voilà. Mais c'est très 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 joli, on kiffe. Voilà, on a fait une petite sieste. Léa elle est allée faire le tour du lac, moi j'ai lu, on s'est ravitaillé et voilà, on attend 19h. Bon là le vent a calé, c'est mieux. Parce que à l'instant, il y avait du vent, il faisait super froid. On est quand même chargé, hein, voilà, voilà, parce qu'on a plein de sacs à dos, on a la tente, les tentes. Dans la caisse là, on a un télescope parce que ce soir on va regarder les étoiles. Et ça va être cool. Ok, donc 19h passé, 19h20. Voici l'hôtel mobile. Donc on a installé les duvets dans la tente. La tente, si vous la voulez, c'est une Decathlon Fresh Black. C'est une nouvelle technologie qui permet de rester au frais de manière à ce que la toile de la tente ne chauffe pas à l'intérieur. Donc si vous voulez faire du camping en été, c'est bien. Black parce que... black pour rester dans le noir. Voilà, voilà. Et il rigole, il rigole. Donc voilà, on est paré. C'est la collection de maintenant, donc vous pouvez vous rendre chez Decathlon, acheter cette tente. Nous, c'est une... deux places, une tente qui fait voilà 110 euros. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, elle aurait pu être sponsorisée par Decathlon. Decathlon, appelez-moi, hein, voilà. Avec la belle vue. Tadam ! Et ma soeur et mon père, ils vont dormir dans cette tente. This one. Du-du-du-du. Face au lac. Et il y a le super coucher de soleil. Il fait
froid, il fait froid, c'est la nuit. Mal. On va dormir, on va dormir. Bonne nuit. Bonjour le monde! Eh bien, on a dormi au bord du lac, chers amis. C'était... Je sais pas si vous entendez, mais ce sont les marmottes qui sifflent. Parce qu'elles se sentent en danger. Bref, on a dormi. J'ai eu très très froid. Pourtant, je me suis découverte pour me mettre dans mon sac de couchage. Parce que si on reste couvert, on a froid. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même eu froid. Bref, look at this view behind me. That's so freaking cool. We love it. I mean... What a landscape, guys. En plus, ce qui est cool, c'est que, comme c'est le matin, le lac est d'huile, donc les montagnes se reflètent. Ça crée une symétrie. J'imagine que pour les photographes en herbe, ça doit être juste fantastique. Bref, c'est pas tout, mais il faut qu'on défasse le campement avant 9h. Sinon, on risque une amende. Et en plus... C'est couvert, donc si on ne veut pas redescendre sous la pluie, eh ben, il va falloir y aller les gars. Et quitter ce magnifique endroit, juste fantastique. C'est quand même vachement beau. On est redescendu, ça y est. Ouh. Et du coup, il recommence à faire chaud. Bref, c'était tout pour ce vlog intense, ramassé, short. J'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était top top. Tout le monde dit que c'était top top. On a kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo sur YouTube. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao.